Popo na ya mungwa bakabola wana munyongo bakabola wana lisongo me pona nina ukosa biso boye pona nini toye batete munguna na biso ya liboso na bujana na tungu na sidu bangi tezane moto tata na ye aza kongolete tezane moto tata na ye aza kongolete tezane moto tata na ye aza kongolete. Il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais qu'il est rentré. Quand il gouvernait les Tatars, il est congolais, il était congolais qu'il est rentré d'exil. Il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici, en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée. Il était congolais quand il a créé l'ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il va, il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Ça honore d'avoir un raisonnement aussi tordu. Voilà ce que nous pouvons répondre à ces gens. S'il y a un conseil à leur donner, c'est d'établir les liens. Ma mission TV, le miroir du monde. Et à Mungwa. Merci à Kabola, moi, la Bosima. Yayan, Poponae à Mungwa. Bakabola, moi, la Mouyongo. Bakabola, moi, la Lissombo. Mais Ponani, dans le cours, ça vise au boulet. Ponani, Toye, Batete, Mongouna, la Bisso, la Liboso, la Bujana, la Tungu, la Sidou Bangui. Des années moto tata naé aza congolete. Sont congolais, il y a que lui là au milieu, hein, qui n'est plus congolais. En tout cas, il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais quand il est rentré, quand il gouvernait les Tatars, il est congolais, il était congolais quand il est rentré d'exil. Il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici, en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée. Il était congolais quand il a créé Ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça honore quelqu'un vraiment, ça nous honore, tous les Congolais, d'avoir un raisonnement aussi tordu. Voilà ce que nous pouvons répondre à ces gens. S'il y a un conseil à leur donner, c'est de calmer leurs nerfs. S'ils sont intéressés par la compétition électorale, c'est de se préparer à aller à cette compétition. Il n'y a qu'un souverain dans ce pays, c'est le peuple congolais. Et le peuple va trancher les moments venus. Communiqué de presse. Nous, jeunes Katangais, membres de la synergie des jeunes du Katanga en sigle SJK, avons suivi avec dégoût les propos racistes, ségrégationnistes, discriminatoires et négationnistes d'un membre du gouvernement en séjour sur notre sol du Katanga.
avec stupéfaction et horreur, nous avons observé l'attitude indigne de ce triste individu qui, dans son passé, a eu les honneurs des prisons du Royaume de Belgique. Nous avons noté que ce ministre, son mentor qu'il a nommé et les membres de la communauté à laquelle il a vendu son âme se réservent aujourd'hui le droit de dresser des catégories de Congolais, de dénigrer ceux sur lesquels ils portent leur haine et d'octroyer ou de retirer la nationalité à qui ils veulent. À d'autres époques, sous d'autres cieux, nous relevons que la politique actuelle ou du pouvoir de Kinshasa a conduit au camp d'extermination et à toutes les formes les plus abjectes d'abomination. S'il en est ainsi, nous, jeunes Katangais, membres de la synergie des jeunes du Katanga, demandons solennellement à ce ministre et aux membres de la communauté qui l'ont mandaté pour tenir son discours de haine raciste d'aller fonder leur république dans les frontières de leur Congo Kassai. Ils auront tout le loisir d'y accueillir tous les extrémistes et les délinquants qui font aujourd'hui fortune sur le dos du Katanga et l'exploitation des richesses des filles et fils du Katanga. Aujourd'hui, aux yeux de tous les Katangais, les paroles racistes du ministre de Félix Tshisekedi sonnent le glas de la République revêt par Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu et les pères de l'indépendance. La haine laisse à Mungwa. Merci à Kabola, moi, la Bosima. Yaya, Poponae à Mungwa. Bakabola, moi, la Mouyongo. Bakabola, moi, la Lissombo. Mais Ponani, dans le cours, ça vise au boyer. Ponani, pour y battre, Mungwa, la Bisso, la Liboso, la Boujana, la Kungu, la Sidou Bangui. Les années moto tata na e aza congolais té. Sont congolais, il y a que lui là au milieu, hein, qui n'est plus congolais. En tout cas, il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais quand il est rentré, quand il gouvernait le Qatar, il est congolais, il était congolais quand il est rentré d'exil, il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée. Il était congolais quand il a créé Ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça honore quelqu'un vraiment, ça nous honore, tous les Congolais, d'avoir un raisonnement aussi tordu? Voilà ce que nous pouvons répondre à ces gens. S'il y a un conseil à leur donner, c'est de calmer leurs nerfs. S'ils sont intéressés par la compétition électorale, c'est de se préparer à aller à cette compétition. Il n'y a qu'un souverain dans ce pays, c'est le peuple congolais. Et le peuple va trancher les moments venus. Communiqué de presse. Nous, jeunes Katangais, membres de la synergie des jeunes du Katanga en sigle SJK, avons suivi avec dégoût les propos racistes, ségrégationnistes, discriminatoires et négationnistes d'un membre du gouvernement en séjour sur notre sol du Katanga. Avec stupéfaction et horreur, nous avons observé l'attitude indigne de ce triste individu qui, dans son passé, a eu les honneurs des prisons du Royaume de Belgique. Nous avons noté que ce ministre, son mentor qu'il a nommé
et les membres de la communauté à laquelle il a vendu son âme se réservent aujourd'hui le droit de dresser des catégories de Congolais, de dénigrer ceux sur lesquels ils portent leur haine et d'octroyer ou de retirer la nationalité à qui ils veulent. À d'autres époques, sous d'autres cieux, nous relevons que la politique actuelle ou du pouvoir de Kinshasa a conduit au camp d'extermination et à toutes les formes les plus abjectes d'abomination. S'il en est ainsi, nous, jeunes Katanga, membres de la synergie des jeunes du Katanga, demandons solennellement à ce ministre et aux membres de la communauté qui l'ont mandaté pour tenir son discours de haine raciste d'aller fonder leur république dans les frontières de leur Congo Kassai. Ils auront tout le loisir d'y accueillir tous les extrémistes et les délinquants qui font aujourd'hui fortune sur le dos du Katanga et l'exploitation des richesses des filles et fils du Katanga. Aujourd'hui, aux yeux de tous les Katangais, les paroles racistes du ministre de Félix Tshisekedi sonne le glas de la République, revêt par Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu et les pères de l'indépendance. La haine, les... Ma mission TV, le miroir du monde.